Alerte générale les amis, aujourd'hui est sorti à 19h un SBC plus qu'intéressant, puisque si vous regardez avec moi, on a un petit SBC amélioration héros FIFA World Cup, et on a en échange eh bien un joueur héros FIFA World Cup garanti. Du coup les amis, on va l'ouvrir ensemble, je vous dis à tout de suite. Tu cherches le meilleur site de crédit pour avoir CR7 dans ton équipe, et je te comprends, alors va sur fifacoin.com. Les crédits sont pas chers et sécurisés, et t'as 5% de réduction avec le coupon FUN. Pour transformer son forfait téléphonique en point FIFA ou carte PSN, allez sur Allo Paradise, le lien il est en description, et utilisez le coupon FUN pour avoir 6% de remise. Rendons-nous directement sur FIFA Ultimate Team. Et les gars, le pack il est complètement fou. On va regarder les infos, ce qu'il demande tout à l'heure. Mais avant les gars, on va aller dans la petite boutique, et j'ai envie d'ouvrir des packs avec mes crédits. Ouais, pas avec mes points FIFA. Ne le faites pas les amis, c'est vraiment pas le conseil que je vous donnerais. Mais aujourd'hui j'ai envie de me faire plaisir. Ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas ouvert de pack ensemble. Et d'ailleurs hop là, ça c'est un pack intéressant qui peut éventuellement nous donner de la chance, puisque c'est un pack renfort quart de finale avec des Espagnols, des Brésiliens, des Portugais. Au final on a Fabian, c'est pas fou hein. C'est vraiment pas folichon, mais ça ne va pas nous empêcher les amis d'avoir comme objectif la boutique, et on va regarder ça ensemble. Je me dirige vers la boutique, et là les gars il y a quand même des packs qui m'intéressent de fou, notamment un pack les gars, c'est ce pack là, le pack à 150 000 crédits. Pourquoi? Parce que c'est un pack que j'ai pas encore ouvert. Le pack à 200 000 c'est que des joueurs non échangeables, pack à 125 000 c'est bon les gars, on en a l'habitude, mais par contre le pack à 150 000 là il y a une petite nouveauté et ça m'intéresse, donc pourquoi pas l'ouvrir. On va regarder ensemble les probabilités. On a quand même 5,1% de chance de packer un jour à 90 de général minimum, moins d'1% de chance d'avoir une icône World Cup, 15% de chance d'avoir un phénomène dans le que d'ailleurs cette équipe phénomène on l'a pas du tout vu ensemble, on va aller la visionner les amis. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a du beau monde dans cette équipe. Il y a un petit Hakimi à 400 000 crédits, il y a un Rafael Leao à plus d'1 million, à Kamaviga à 500k, on a quoi, Bellingham à 700k, on a un Koundé à 200k, Militao à plus de 700k. Non franchement il y a du beau monde, et en plus sur le banc des remplaçants il y a beaucoup de joueurs. Il y a des Rodrigo qui peuvent être intéressants, des Martinez le latéral gauche argentin, Matteo Guendouzi qui coûte son petit 100k. Non franchement c'est une équipe intéressante, donc je me dis autant l'ouvrir ce pack ensemble. Mais avant vers ce pack à 150 000, je vais me faire un petit plaisir. J'ai ouvert ce pack là, 75 000 crédits. On a la possibilité d'avoir quand même 21% de chance d'avoir un joueur phénomène World Cup. Les gars, franchement, si dans ce pack là on n'a pas de la chance, je ne comprends pas. C'est parti les amis, premier pack de la vidéo. Va-t-on avoir un phénomène icône? Let's go! Qui c'est? Lineker! Oh là 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 là! Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là 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 là, Lineker les amis, c'est quoi ce pack opening, bordel de merde? On commence avec une icône World Cup. Oh là là. Mais je pense qu'ils ont fait exprès, ça faisait depuis quand même, depuis une petite semaine. J'avais pas trop joué à FIFA. Et Lineker, vendable, qui plus est, c'est sûr qu'il est vendable les gars. S'il est pas vendable, je vous jure, je me coupe une couille. Mais au moins Lineker les amis, c'est pas beaucoup de crédits, ça aurait pu être tellement plus. C'est un petit 68 000 crédits, mais les gars, attendez, ça peut cacher d'autres joueurs à côté. Oh là là les gars, le pack il est incroyable, c'est du non échangeable. Quoi? Quoi? C'est du non échangeable, j'avais pas vu ça. Yesports, pourquoi vous faites ça à moi? Pourquoi vous me faites ça? Mettez-moi une icône au moins qui m'intéresse. Bon, Lineker, franchement, bah du coup, c'est pas exceptionnel. C'est une icône, ça fait plaisir. Je regarde un petit peu les statistiques. Est-ce qu'il est jouable? Dites-moi ça en commentaire, les amis. Lineker, en vrai, c'est un super joueur IRL, mais c'est vrai que dans le jeu, bon, on m'a jamais dit Lineker, faut le jouer sur FIFA. Voilà, donc je sais pas, selon vous, si il est jouable cette année. Mais bon, après, il a des stats intéressantes, quoi. Il a un 4 de mauvais pied, il est jouable, il a un 89 de vitesse, 90 de tir. Après, bon, j'aurais tellement préféré avoir une autre icône. Allez, c'est parti maintenant. Celui-là, il est vendable. C'est sûr, il est vendable, les gars. Donc là, si on a une icône, ok, on est sûr d'avoir des sous après. Mais il faut l'avoir, l'icône. C'est parti, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez le petit like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne. Et c'est parti. 150 000 crédits. Là, je les envoie, les 150K, comme ça. Et voilà, je les envoie dans la demeure, frère. Robert Lewandowski, j'ai rien dit, c'est un gros général. 91, ça fait plaisir, en vrai de vrai, parce que Robert, je pense, ça coûte un petit 50k, 60k, je pense, un truc comme ça. Et qui plus est, ça va cacher du joueur. Pourquoi ils l'ont pas mis en phénomène? C'est un phénomène, Lewandowski, frère, je suis désolé. Il coûte 55 000 crédits, donc c'est pas plus mal. Et ça cache qui, les gars? Et ça cache qui? On va voir qui ça va cacher. Un petit joueur intérêt. Oh, Damsgaard, les amis, let's go. Il y a peut-être d'autres joueurs à côté. Non, il y a des gains. Alors, franchement, le pack il est sympa. Le pack il est sympa. Après, on l'a quand même acheté 150 000 crédits. Je pense pas être rentable. Damsgaard en plus, il coûte rien du tout, frère. Lewandowski, voilà, ça coûte un petit 50 000 crédits. Mais le pack en soi est pas ignoble. Il est pas ignoble. Je pense qu'il y a moyen d'avoir de la chance. Après,
on l'a pas eu quoi, on l'a pas eu la chance, et Damsgaard, je pense que ça se revend prix minimum. D'ailleurs les amis, je suis niveau 7 par rapport au mode FIFA World Cup. Le niveau, ça correspond au nombre de joueurs Coupe du Monde que vous avez rassemblés dans votre club, et je trouvais ça intéressant de vous le dire. Et du coup, bah, j'aurais quoi? J'aurais 5000 crédits et un choix 83+. Faudrait que j'atteigne le niveau 10, mais pour ça, faudrait que je rassemble encore plus de 300 joueurs. Bon, il y a encore le temps, donc voilà, on va essayer de le faire. Pas évident, c'est dans 22 jours que ça se termine. Maintenant les amis, on va aller dans le défi création d'équipe. Je sais que vous attendez ça, et moi aussi j'attends ça. Mais après ce petit, pack sympa, on a eu une icône et tout, je m'attendais pas à voir ça. On va maintenant aller dans le pack héros FIFA World Cup et on va aller le compléter. Il a l'air tellement beau à valider. Donc il faut 3 joueurs à 87 de général minimum. Ne vous inquiétez pas les amis, nous avons ça en stock. J'ai fait les petits stocks bien évidemment avant la vidéo, j'ai acheté les joueurs qu'il fallait. Donc j'ai pris Arnold, j'ai pris Rodri et j'ai pris Verratti. Normalement avec ces 3 joueurs on devrait être plus ou moins tranquille, sachant qu'ils nous demandent pas de collectif comme d'habitude. Donc on va mettre Rodri ici, on met Arnold par là, et là maintenant il va falloir valider avec des joueurs je pense à 84 85. On va regarder si j'ai des joueurs non échangeables que je peux utiliser éventuellement là que je viens de packer, parce que oui on en a packé les amis, des joueurs non échangeables. Et regardez le nombre de joueurs World Cup que j'ai dans mon club. Je pense que tous vos clubs ressemblent à ça, vraiment c'est ignoble, mais c'est comme ça. On a un Koundé qu'on peut mettre, Arnold on va laisser là, Carvajal qu'on peut mettre, ah, Dembélé c'est bon on peut le mettre, maintenant Kimpembe on peut le mettre aussi. Estupinian, très honnêtement c'est du non échangeable, donc on va le mettre aussi. Je vais voir si je peux le caler comme ça, hein, que avec des gens non échangeables. Voir si le défi peut me revenir à zéro. Je pense pas. Je pense qu'il va falloir mettre un petit joueur. On est à 85 de notes, rien qu'en mettant des joueurs non échangeables. Donc c'est intéressant. Je vais faire le tri et je vous dis à tout de suite. L'équipe est validée, elle m'aura revenu 0 crédit. Après, on va regarder combien elle coûte. Je trouve pas ça excessivement cher. Voilà, 123 000 crédits, franchement. C'est honorable. Du coup, on va le valider ensemble et on va espérer avoir un bon joueur. On va regarder la liste des joueurs que l'on peut éventuellement packer, parce que c'est super important. Imaginez qu'on pack un bête de joueurs, ce serait une vidéo incroyable. On pack une icône World Cup, puis après on va packer une autre icône, mais héros World Cup. Donc là c'est la vidéo parfaite, on pack une icône et héros World Cup. On va du coup aller dans la boutique, et juste avant on va regarder les joueurs qu'on peut packer. Voilà, c'est important. Yaya Touré les amis, Yaya Touré, c'est pas un genre de joueur qu'on veut. Lucio bien sûr, Lucio, Claudio Marquisio, Robbie Keane, c'est un SBC, GG Okocha, Rudy voleur qu'on veut éventuellement, qu'on a déjà de base. Allo Warren, ce serait vraiment... C'est le top du top, voilà, vraiment là on peut que avoir du très très gros joueur. Et bon après on a des héros qu'on a déjà, donc voilà, faudrait pas retomber sur des Kewell, des Capdevila, etc. Mais je ne vais pas en parler, j'espère ne pas y tomber. Donc les gars, le pack Hero FIFA World Cup, on ne va pas non plus mettre 10 ans pour l'ouvrir. On va aller s'empresser de le faire, le petit like avant que ce soit fait. Je sais, je demande les likes les amis, mais c'est comme ça les gars, life is life, rules are rules. C'est parti les amis, on l'ouvre et on va espérer avoir un bon joueur. Allez, un beau drapeau, allez. Brolin, ok, je dis oui, Brolin bien évidemment. J'ai encore fait la connerie de confondre avec Larsson, mais les amis, Brolin, c'est une énorme victoire. C'est un joueur que je voulais absolument tester la vidéo, est exceptionnel, je suis refait les gars. Brolin, c'est bien mieux que Lineker, pour vous dire la vérité. Et c'est un joueur que l'on va se tester. C'est un nouveau héros et qui coûte, les gars, je regarde le prix, ça fait partie d'un petit top 10 sympa, hein. Franchement, top 10, ouais, Brolin, c'est top 10, les gars, puisqu'il coûte, vous êtes prêts ou pas, retentissement, les gars, il coûte 465 000 crédits. Donc c'est plus qu'intéressant, les amis, je suis refait. Et ça va me permettre d'avoir un buteur suédois qui plus est. J'adore la Suède, j'adore ça. Les boulettes Ikea, les amis, c'est un repère dans lequel je suis quelques semaines, que je peux bien évidemment apprécier. Brolin, on va aller regarder les statistiques ensemble, parce que quand même les gars, la carte elle est folle en vrai de vrai. 4 de gestes statiques, 3 de mauvais pieds, c'est peut-être le hic que j'ai envie de donner. Mais sinon les amis, oh là là, au niveau des dribbles, au niveau du physique, c'est pas mal. Mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est le tir. Regardez le petit 91 de finition, 95 puissance de tir. Non, il y a franchement pas mal de possibilités. L'agilité est intéressante, la réactivité est intéressante. Voilà, c'est un joueur qui va être, je pense, super agile. Donc voilà, moi c'est un joueur que je vais me tester. On peut le jouer en numéro 10, en AT et en ailier droit. Franchement, je suis plutôt refait. Dites-moi en commentaire si c'est une victoire ou une défaite. Moi je pense que c'est une victoire, hein. Franchement, je pense que c'est une victoire. La vidéo est plutôt réussie, même si c'est vrai, on a dépensé 200k, mais c'est pas grave, on s'est fait plaisir. Ça nous a permis d'avoir un petit héros qu'on va pouvoir tester. Lineker et Brolin, pourquoi pas en foot champion, partir sur une nouvelle attaque. Voilà, Lineker, ça peut être notre buteur avec Brolin. Je ne sais pas, les amis, dites-moi ça en commentaire. On va regarder un petit peu, mais je peux améliorer tout ça, je pense, hein. Voilà, j'ai des joueurs du coup que j'ai dû mettre en vente.
tente, mais j'ai Darwin Núñez éventuellement que j'ai. Mais si je peux mettre, voilà, Brolin, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah, c'est sympathique ce genre de vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On pack une icône World Cup, on pack un joueur Hero World Cup. Et franchement, pas n'importe lequel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était votre Gapon, plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!